Et dire que normalement 400 jeunes devaient être en pleine effervescence pour préparer le lancement de quarantaine de fusées. Ouais, ce Covid-19. Je sais pas pour vous à Planète Science, hein, mais nous au CNES, on n'en revient toujours pas. Attendez, on va pas se laisser abattre là. On va quand même essayer de faire quelque chose pour pas laisser ces jeunes sur le carreau. Ouais, on va réussir à faire un truc cool. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que s'il faut sortir les tentes, la bannière et tout le matos technique, bah faut me le dire. Ouais, puis en plus t'as oublié les rampes, parce qu'il va falloir aussi sortir les rampes. Non mais de toute façon, c'est bon, on peut abandonner, rien de tout ça. Hein. On sait qu'on lancera pas de grosses fusées cette année, malheureusement, même si ça aurait été cool. Mais ce qu'on peut éventuellement faire, c'est un live. Ah. Ouais, exactement. Alors un live comme les jeux vidéo sur YouTube. Mais oui, oui. Et même qu'on pourrait présenter des équipes. Ouais, et on pourrait en profiter pour présenter aussi l'organisation de l'événement. Et pourquoi pas trouver un défi marrant. Ah, excellente idée. On y va? Ouais. Allons-y. Ah bah justement, voilà Alexandre, le DDO du C-Space qui m'appelle. Salut! Salut Alex. Salut Alex. Alors, comment ça se passe, Satar? Bah pas trop mal, hein, mais bon, on est un peu triste quand même. Ouais, mais moi aussi, je suis triste, je pourrais pas faire des DDO cette année. C'est ma petite joie chaque année durant l'été et tout. Non mais, t'inquiète pas, a priori on a trouvé une solution pour que tu fasses quand même le compte à rebours. C'est vrai? 10? 9? Non, pas tout de suite. Attends. Mais on t'attend le jeudi 23 juillet à 18h sur la chaîne YouTube du CNES.